Ah, ça fait du bien de revoir le soleil. La fin de semaine, en disant. Mais on aime peut-être moins la température. Bien, ça dépend pour qui. Parce que c'est sûr que pour le ski, c'est pas si mal. On met un cache-cou, là, puis on change souvent nos bas dans nos bottes, là, puis ça va super bien. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de soleil la fin de semaine. Mais t'as raison, Simon, moins 16 ce matin, Québec et Montréal. Et là, ça saisit avec la douceur des derniers jours. Hein. Ce sera de courte durée, par contre, ce soubresaut de l'hiver, parce que vous allez voir qu'à compter de demain, déjà douceur. Alors, si on faisait le tour du Québec ensemble aujourd'hui, c'est généralement ensoleillé. Oui, ce que vous voyez à l'écran, les refroidissements éoliens, ce sont les refroidissements cet après-midi. Ce matin, c'est un peu plus mordant. On a un peu d'instabilité pour l'Estrie, même chose pour le centre du Québec, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean, même chose pour le Bas-Saint-Laurent, la Beauce. On a de l'instabilité ce matin. C'est pas grand-chose. Par la suite, alternance soleil-nuages. Moins 15 comme maximum quand même. Et pour la Côte-Nord, je dirais la Basse-Côte-Nord, les îles de la Madeleine, ça semble bien joli, c'est 0 degré, mais les températures vont chuter plus la journée va avancer. On va vivre la même chose que les autres secteurs avec le passage du front froid. Maintenant, on a un système qui a remonté la côte est américaine et qui va apporter un mélange de précipitations pour les îles de la Madeleine, un 5 à 10 cm entremêlé de grésil, de la pluie. Même chose pour la Basse-Côte-Nord, le risque de pluie verglaçante. Ça pourrait être un peu plus compliqué sur la chaussée. Complètement à l'ouest, un peu d'instabilité ce matin par la suite, alternance soleil nuage, c'est une superbe journée, mais c'est pas chaud. Et dans le nord du Québec, c'est un scénario similaire. Donc, Baie James, instabilité majoritairement ce matin. Moins 23 comme maximum à Coudjouac. Bien évidemment, refroidissement éolien cet après-midi. Ce soir et cette nuit, c'est la dernière nuit froide avant un certain temps. Vous allez voir que la douceur va s'installer pas mal. Déjà demain, complètement différent. Demain matin, ça reste assez frisquet, mais vous allez voir que les rayons de soleil vont faire leur travail. Et on surveille un système qui nous arrive de l'ouest, qui va nous apporter des flocons. Tout le monde va être touché. Ça commence tout d'abord demain matin pour l'ouest. Donc, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, un 2 à 4 cm. Et pour l'Outaouais, la Mauricie, la Naudière, les Laurentides, Montréal, Québec, on pense à un ennuagement graduel. Donc, on se réveille avec le soleil demain. Les nuages vont être de plus en plus présents et éventuellement les flocons. Mais pour l'ensemble du Québec, je dirais que c'est de l'ordre de 3, peut-être jusqu'à 6 cm. C'est pas grand-chose. Et regardez par la suite quand on parle de douceur, là, 7, 11 degrés. Ça a le temps de bouger. Peut-être que ce sera pas si doux, mais quand même, là, on est encore en février, il faut dire. Même les minimums là, qui, dans le sud du Québec, vont être au-dessus du point de congélation. Ce qui fait que les précipitations à venir pourraient tomber sous forme liquide. Et pour Québec, c'est un scénario similaire. Quelques flocons le lundi matin. Et par la suite, ceux qui espèrent déborder pour skier, là, on n'est pas vraiment là. Et la douceur des températures aussi qui va s'installer pour plusieurs jours. Alors, on sent que le printemps veut s'installer avant son temps. Mais vraiment, on voit des écarts de température hein, quand même. Danty, yo-yo, montagne russe, vous pouvez trouver les synonymes. C'est vraiment ça qu'on vit. À tantôt. À tantôt.